Bonjour, Jean-Luc Reichmann a posté cette vidéo en début de semaine qui a été vue près de 400 000 fois où il se moquait des sites et des internautes qui le voyaient habiter dans une très grande bâtisse du côté de Versailles, etc., etc. Alors moi, je m'étais posé la question à savoir, mais où habite Jean-Luc Reichmann? Bon. Non pas que ce soit pour l'emmerder, hein, donc voilà, et bah, vous avez l'inspecteur Mattei, et vous avez l'inspecteur Clo-Clo-Dei, donc voilà, non mais moi je voulais juste savoir s'il habitait près de chez Nagui, à Montmartre, ou bien s'il habitait ailleurs, et donc voilà, l'inspecteur Clo-Clo-Dei a trouvé, bon, je ne suis pas trop foulé, hein, bon, il suffit juste d'être un peu, voilà. Et donc, je sais maintenant où habite Jean-Luc Reichmann. Donc, il habite dans une maison. Alors, bon, par respect pour lui, mais je ne vais pas mettre la photo de sa maison. Donc, bon, il habite dans une maison, bon, qui est plutôt très jolie, voilà, qui est vraiment très jolie. Le gros problème, c'est que, bah, il n'a pas un très grand jardin, et donc, c'est pour ça qu'on lui a piqué son scooter devant chez lui. Et donc, voilà, je peux vous dire qu'il habite à Neuilly-sur-Seine. En plus, c'est pas moi qui le dis, c'est la police, hein, voilà. Cette nuit, à Neuilly-sur-Seine, trois individus ont été vus en train de charger un scooter dans une camionnette avant de prendre la fuite, etc. Donc, en fin de compte, on lui a piqué son scooter, mais qui a été retrouvé. Donc, voilà. Donc, Jean-Luc Reichmann habite à Neuilly-sur-Seine. Sa maison est plutôt sympa, mais bon, c'est mérité. Hein, donc, on ne va pas non plus critiquer son lieu d'habitation. Donc voilà quoi. Bon, allez, sinon, bah, je sais aussi qu'il a une maison en Corse, mais que bon, bah, vu qu'il m'a bloqué, bah, je sais que j'irai jamais dormir dans sa maison en Corse. Et bah, ça c'est dommage. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Bye bye.